bien à toutes et tous, on se retrouve pour les énergies, le message de ce jeudi 23 je pense, hein, 23, oui, 23 mai 2024, comment allez-vous? Bien j'espère. Petite philosophie de ce matin, résultat, ah non, ça c'était hier, aujourd'hui faute, commettre une faute n'est pas grave. Ce qui l'est davantage, c'est de ne pas la corriger. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé le cinquième chakra avec l'archange Gabriel, le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge, n'est-ce pas? Sa couleur, elle est bleue. Et c'est quoi le chakra de la gorge? Eh bien, donc, ce chakra est situé à la gorge, n'est-ce pas, au niveau de la gorge, des cordes vocales et des bronches. Et ce chakra, il permet d'aligner les centres d'énergie. Même s'il est le représentant des chakras dits physiques, il est fortement lié au chakra sacré. Et de ce fait, il permet de cerner les ressentis, émotions et créativité dans le but de comprendre la mission sur Terre. Mais pas que, il est aussi là pour confronter sa vision à la réalité de la vie et enfin de pouvoir lâcher prise. Et le rôle de ce cinquième chakra, le chakra de la gorge, eh bien, il est de permettre de s'exprimer sur ce que l'on pense, sur ce que on ressent à l'intérieur de soi et dans le seul but de maintenir une communication sincère, n'est-ce pas? Et ainsi pouvoir donner, mais aussi recevoir. Alors ce chakra, il permet d'avoir beaucoup de diplomatie et les relations pures avec les autres. Cinquième chakra, il envoie une puissante énergie vers votre gorge en reconnaissant, eh bien, votre pouvoir de communiquer et votre volonté de le faire. Et cet archange vous ouvre à exprimer la vérité à vous-même et aux autres. Alors peut-être que certains d'entre vous, dans le passé, vous aviez peut-être de la difficulté à exprimer vos émotions et vos idées, mais ce bel archange Gabriel est maintenant présent pour vous dire que votre âme désire ardemment d'y parvenir. Ce bel archange Gabriel, c'est la force de Dieu, n'est-ce pas? C'est un des trois archanges les plus populaires. Il est populaire comme l'archange Michael et l'archange Raphaël. Donc, soyez conscient qu'une communication claire comprend la façon dont vous parlez à vous-même. Alors, ne niez jamais votre profonde valeur intégrale. Exprimez-vous, écrivez dans votre journal si vous en avez un, laissez vos mots circuler. Il est maintenant temps de vous exprimer librement et entièrement. Alors l'univers, il respecte toujours, toujours votre choix de le faire. Et cette carte, elle pourrait aussi indiquer que vous aurez bientôt un projet de communication ou que vous communiquerez davantage avec le monde des esprits et par télépathie avec les autres. C'est-à-dire que vous êtes peut-être un bon réceptionniste ou une bonne réceptionniste avec les esprits et les messages que vous pourriez avoir de l'au-delà. Peut-être... Pardon, peut-être avoir des messages d'une personne qui est décédée, peut-être de votre ange
gardien, peut-être de votre guide tout simplement, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes bien ouvert et si vous demandez à ce bel archange Gabriel, eh bien, de vous aider dans cette, peut-être dans cette recherche, eh bien, il vous aidera. Et maintenant, si au point de vue professionnel, vous avez à parler, à dire les choses, eh bien, ce chakra de la gorge étant bien aligné, bien ouvert, tout ça, ça sera bien facile pour vous. Et en même temps, demandez à ce bel archange de vous aider. Si maintenant vous devez faire une plaidoirie, demandez aussi à ce bel archange Gabriel de vous aider. Si maintenant vous avez besoin de dire les choses à votre famille, que ça soit familial, professionnel, sentimental, amical, eh bien vous direz bien les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, de bienveillance, parce que votre chakra de la gorge est bien aligné. L'affirmation pour aujourd'hui, mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert, il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Alors, message de ton âme, prendre du recul, stop, respire trois fois, et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, je vous souhaite une belle journée, puis on se retrouve demain pour un dernier message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.